évidemment, il n'y aura pas de guerre civile, ce qu'on essaye de nous vendre depuis trop longtemps, c'est de la pure propagande. Et je m'explique. La réalité est qu'il y a une guerre de conquête religieuse, donc strictement rien à voir avec du civil. Mais cela, c'est l'enfumage qu'on nous vend depuis quasiment 1976 et le regroupement familial, même depuis avant 1967, avec la fameuse phrase du général sur le peuple sûr et dominateur. De plus, la gauche a voulu faire croire que l'antisémitisme avait disparu. Parce qu'il fallait bien qu'elle se vende, et il fallait bien qu'elle trouve des électeurs gogo, bobo, etc. pour voter pour elle, et que la peur du loup fonctionne. On voit d'ailleurs aujourd'hui comment tout ça est faux, comment cette gauche qui se disait antiraciste, aimant les uns les autres, etc., est finalement la plus raciste de tous. On l'a vu, parce que toutes les positions pourries qui ont été prises dans ce qui s'est passé le 7 octobre dernier viennent quasiment à 99% de la gauche. Osons le dire. Ça suffit de se taire quand même. Il faut le dire, et on le dit, voilà, et on l'écrit même. Ça va, c'est encore mieux, ça restera pour la postérité. Alors, mais le principe de l'idéologie, c'est quoi? C'est de vendre du chaud, de la propagande, de l'intox. C'est en réalité, maintenant, nous sommes presque en 1938, quoi. C'est la, on vient de vivre une nouvelle nuit de cristal en pire, le 7 octobre. Nous, déjà, je vous signale quand même en France que ça fait depuis plus de 40 ans qu'on subit des attentats islamistes sans rien dire, sans stigmatiser, surtout pas, il ne faut pas. Hein, et qu'eux, ils n'en ont rien à foutre de nous, et que s'ils doivent éradiquer demain toute une ville, ils le feront. Mais ça, c'est pas grave, personne ne veut le croire. Alors, l'ennemi a changé, c'est tout ce qu'il faut se dire. La finalité demeure toujours la même, d'un monde purifié. Vous savez, ça, c'est un vieux fantasme. C'est ce qui avait fait marcher Hitler dans les années 40 et avant. Et c'est du racisme et rien d'autre. Hein. Alors, aujourd'hui, il faut le savoir, qu'il y a toute une partie de la population qui est avant tout raciste et qui ne veut pas le dire ouvertement parce que ça la foutrait mal. Imaginez, LFI et compagnie, s'ils disent qu'ils sont racistes et tout. Mais ils le sont. Dans les propos qu'ils tiennent, dans la façon de faire, vous avez un élu de la nation française qui se pavane aux côtés d'un terroriste recherché pour meurtre. Je me dis, bon, bah, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? On a atteint le fond, on ne peut plus aller plus bas. Donc si, derrière, on n'a pas un gouvernement capable de réagir immédiatement face à ce genre de situation, c'est foutu, c'est foutu. Puis il ne faut pas chercher ailleurs. Et puis bon, ceux qui pourront, ils pourront se barrer, les autres, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en est là, on en est là. On est toujours au même point, en fait. Alors on assiste à des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être entre la barbarie la plus totale et la riposte d'un pays meurtri qui, pour le monde entier, n'a pas le droit de réagir. J'avais écrit déjà en 2012 un article qui s'appelait « Israël, le juif des nations » et je peux le ressortir aujourd'hui sans aucun problème, sans même changer le texte. Quant aux juifs de gauche qui se sont fourvoyés politiquement, pour certains le réveil se fait, mais pour d'autres la maladie semble incurable. Ils continuent à prêcher l'idéologie mortifère et dangereuse face à la réalité des faits. Le déni est une mode, donc ils sont à la mode. Voilà ce qu'il faut dire. C'est une question de sémantique et je maintiens mes propos. Une guerre civile, comme le nom l'indique, c'est ce qui oppose des gens pour prendre le contrôle de l'État. Là, il s'agit d'étrangers, pour la plupart, qui veulent conquérir un pays par la violence et personne ne s'y oppose ou ne s'y opposera. Donc ce n'est pas une guerre civile. Il faut s'entendre sur les mots. Il y en a marre qu'on galvaude les mots comme ça dans ce pays. Hein, qu'on vous raconte n'importe quoi et qu'on balance des mots. D'ailleurs, je vous signale que la première chose qu'avait fait le national-socialisme d'Hitler, c'était de créer des mots pour le peuple. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire sous la gauche, là, depuis Hollande, Macron et compagnie? Exactement la même chose. Regardez le nombre d'expressions, de mots qui se sont créés. Je ne vais pas les citer ici parce qu'il me faudrait une heure, mais c'est pareil. Alors après, nous avons le comble du comble. C'est quand LFI vient faire une manifestation près du Veldiv, qui est lourde d'histoire, c'est comme si des nazis paradaient. C'est cracher à la mémoire de tous les déportés et insulter la France. Parce que là, il faut comprendre, on insulte la France.
Or, la moindre des choses serait que le gouvernement, encore une fois, réagisse tout de suite à chaud. C'est anormal. Hein. Pour moins que ça, il y a des gens qui vont en prison quand même. La question est quand cessera cette mascarade de la gauche, les élus qui se conduisent ainsi allant jusqu'à nier le 7 octobre, parce que j'en ai entendu qui ont nié le 7 octobre, ne devraient plus exercer de fonction officielle tant ils souillent la France. Et encore une fois, que fait ce gouvernement face à cette ignominie? Rien de rien. Et alors que ces gens créent un climat propice à la haine, et la haine, vous savez, engendre la barbarie. C'est une question simple. Où est l'autorité dans ce pays? Nulle part, puisque ces salauds sont payés par l'argent public. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils sont payés par l'argent public. Quand vous avez un soi-disant humoriste là, qui raconte des conneries sur une radio nationale, c'est scandaleux. Que sur une radio privée, on puisse dire en tant que gouvernement, on ne peut pas agir dessus et tout. Mais là, c'est une radio nationale. C'est la radio France Info Inter qu'on paye avec notre pognon. Un pognon de dingue, je sais, mais quand même. Donc, rien n'est fait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, rien n'est fait. Par contre, si un gars de droite il fait un petit mot ou un petit truc, là, c'est foutu pour lui. La gauche, elle a toujours été antisémite. Et elle a un théoricien qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon, qui est le théoricien de la gauche française, du socialisme à la française, qui écrivait quand même en 1847, c'est-à-dire bien avant tout, qui est les médias d'aujourd'hui, l'Internet et tout ce que vous voulez. Il écrivait donc dans son livre Carnet du 26 décembre 1847: Le juif est l'ennemi du genre humain, il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer par le fer, par le feu ou par l'expulsion. Il faut que le juif disparaisse. Voilà. Donc franchement, le gars, il avait été très très fort. Or, petite remarque, je dis ça comme ça, ce Proudhon était franc-maçon au Grand Orient de France. Il a été reçu comme apprenti à la loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié de Besançon, je crois, de mémoire. Ses écrits racistes n'ont pas dérangé le Grand Orient, qui, après sa mort, a même organisé, tenez-vous bien, une quête pour rembourser les dettes de ce Proudhon. Vous voyez que c'est pas nouveau tout ça qu'on baisse la culotte, hein? Alors bon, c'est comme ça. La propagande, elle est partout et elle est simple. Hein. Bon, on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Là, ils ont montré des images à l'Assemblée. Ça a choqué les gens. Il faut dire que c'était très choquant pour ceux qui les ont vus. Il y a eu quand même des gens qui sont sortis avant, qui n'ont pas pu tenir les 45 minutes du film. Il y a des gens qui ont pleuré, il faut le savoir. Donc c'est grave quand même. Et quand on vous dit c'est un crime de guerre, eh ben c'est faux encore. Voilà encore de la propagande dure et pure. C'est pas un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Vous voyez un peu la différence? Ben, elle est importante parce que pour qu'il y ait un crime de guerre, il faut qu'il y ait une guerre. Or, au moment où se passent les faits, il n'y en avait pas. Donc déjà, on enlève l'idée du crime de guerre. Mais en plus, crime contre l'humanité, ça veut dire que c'est plus grave encore. Parce que là, c'est la qualification, on va dire, ultime. Hein. Bon, on aurait pu l'appeler comme on veut, mais c'est comme ça. Et les déclarations faites par des élus de la nation, payés donc par nous, par les contribuables, ne sont pas acceptables. On ne peut pas tout accepter quand même sous prétexte de faire de la politique ou de la propagande. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi il y a des négationnistes, des révisionnistes et tout ce bordel. Et je dis, aujourd'hui, dans un pays comme la France, le gouvernement qu'on a n'est pas à la hauteur des événements. Et quand vous avez en plus un président de la République qui va prendre conseil auprès d'un type qui n'a aucune qualification pour lui donner ses conseils, pour la banlieue, pour savoir ce qui se passe et tout, c'est qu'il nous prend vraiment pour des billes. Et encore, je reste poli parce que j'ai un autre mot qui me viendra à la bouche, comme con par exemple, qui serait un peu mieux approprié. Donc, on a des politiciens qui refusent toute réalité, qui sont dans le déni permanent. Et je vais conclure en disant, quand il y a le feu, ce qu'on attend d'un gouvernement, ce ne sont pas des paroles, mais bien des actes. En fait, on attend les pompiers, pas les assureurs. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela servira un jour à quelque chose. Et toujours, je vous le dis, mais là,
je cherchais un mot qui pourrait dire plus. On est mal, on est très mal, et c'est pas fini parce que je ne vois rien venir de, disons, de positif ou de réconfortant à l'horizon. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent, tous ceux qui partagent. Il faut que ça se sache, quoi. Si on ne fait pas en sorte que ça se sache, eh ben on restera dans un no man's land. Et puis rien ne se passera, et ils pourront continuer à cracher sur le pays, ils pourront continuer les autres à nous envahir, ils pourront continuer à jouer aux barbares, et ça sera une catastrophe, mais une catastrophe dont on n'a même pas idée aujourd'hui. À bientôt, merci.